Et salut, donc on est parti pour la manche 16 sur la Nations Cup, la Coupe des Nations, donc sur le Nürburgring GP. Vous voyez, très compliqué pour moi, je suis avant-dernier, je pense. J'ai loupé complètement mes qualifs en tentant de les faire avec les pneus médiums. Il va falloir que je passe les softs parce que c'est la condition de course. Donc on est avec la Pagani Zonda. C'est pas gagné, je vous le dis clairement. Alors c'est un choix de ma part de. Comment dirais-je, de démarrer avec ces pneus-là. J'ai fait un essai et j'avais pas vu. En fait, il fallait refuel un petit peu, pas grand-chose, mais comme d'habitude ou comme souvent, il faut refuel un minimum. Donc là, il y a peut-être un ou deux tours à remettre de carburant. Donc du coup, eh ben Bibi chocolat. Donc j'ai terminé 9e, je crois, sur ma première tentative. Donc on va essayer de faire mieux, mais là, clairement, en partant 19e, pas mal ça livre à lui. Ça va être très compliqué. Donc on remonte toute la grille, vous allez voir, je suis tout au bout, on doit être 3 ou 4 Français si je ne me trompe pas. Donc je connais le circuit, la bagnole elle est très difficile. La puissance on arrive à la placer, mais disons qu'elle s'ouvre énormément. Et ça je suis pas fan du tout. On peut vite se faire piéger. Et là moi où je vais me faire piéger en démarrant très très loin, c'est. Je regarde hein, en même temps les skins, il y en a vraiment qui sont vraiment intéressants. Celui-là, je le trouve pas mal. Là où ça va être compliqué, c'est que je vais être en plein dans la courbe. Donc forcément, pour démarrer, vous m'accorderez que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bon, faire ce qu'on peut. Moi, pour celle-là, j'ai pas eu le temps de m'embêter. J'ai payé, je crois, la bagnole 1 800 000. Ah, et un Français pas si loin de moi. Ouais, 1 800 000, je crois que j'avais 3 millions et quelques et j'ai payé ça 1 800 000 pour faire cette course-là. Donc voilà, ben voilà ici avec ma livrée d'origine. Donc on part pour 15 tours. Alors il y a deux choses à pas oublier. Remettre les pneus tendres. Ouais. Et mettre un ou deux tours de carburant. Voilà en gros. Donc on va départ lancer. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Donc je vais démarrer soit dans la chicane, soit dans la courbe. Juste un petit copain, un petit Allemand derrière. Au moins challenger là. Allez. Alors lui part déjà en cahuète l'Espagnol. Oh putain, il se rabat sur moi. Allez, ça devrait le faire pour le freinage. On va essayer de pas se planter. Avec le carburant et tout ce qui va bien. On voit qu'il y en a déjà qui sont à la dérive. Du coup, je connais pas la stratégie des autres non plus. Donc, on verra bien. Déjà, laisser faire le premier tour, voir un peu les lignes s'allonger. Ça pousse bien. Pas ce qui se passe, le petit français Jedi Jedi là, il a l'air un petit peu énervé. Là, ici, l'enchaînement. Pas évident à la manette. Allez, pleine bourre. Je me méfie au freinage ici. Allez, on va se prendre la spi. On est pas mal, fin du premier tour, 13e. Moi je dis oui. Lui. Non mais sérieux. C'est quoi, tu t'es trompé de. Ah, j'ai une pénalité moi. Non, là c'est sérieux.
Elle vient de où? J'ai fait que chill, hein. Moi, je demande un replay, hein. J'ai rien fait du tout. Et je me prends une seconde en plus. Putain. Il n'y a vraiment aucun mode de pénalité sans faille, hein. C'est hallucinant. Bon, alors ça, faut m'expliquer, les gars. Si vous avez le tour, est-ce que ça vous arrive que votre bagnole, elle saute une vitesse, elle rétrograde toute seule? Ça me le fait assez souvent et c'est casse-couille. Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Bon, allez, on n'est pas très loin. Traction control, je l'ai mis à 3. Voyez, là vous avez vu, tout de suite, clac. Et repassé, j'étais en 4ème, je crois que je suis repassé en 3ème. Ça m'énerve, ça. Encore un qui. J'espère que je ne vais pas me reprendre une pénalité. Non, cette fois-ci c'est bon. Pas freiner, je pensais pas que c'était si difficile. Allez, 13ème. Oh, sinon j'étais là. Sinon j'étais là. C'est pas grave. J'étais là, l'allemand. Mais bon. Pas grave, hein, si je peux te la rendre. Ou si tu te sors toi-même, ce sera encore mieux. Allez, tout seul comme un grand. Voilà, encore une fois, ça rétrograde. Parce que c'est un problème avec ma manette. Pourtant, j'ai pas vu ça dans les autres jeux. Donc, bref. Allez, on va se concentrer. Désolé. On va pas se faire la guerre entre Français. Pour l'instant, on est bien. On est bien dans la stratégie, on est bien en tout. Là, j'ai complètement chié. Thank you.
Putain! Je passe au garage, changer ma boîte de vitesse, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est au même endroit en plus. J'aime bien quand il y a de la bagarre comme ça. Toi t'es derrière, t'attends. Peut-être que le mec se plante. Derrière ça va, j'ai un peu de marge. Allez, on va te faire un tiers de course. Vous avez vu ça? Comment j'ai décroisé? Ah, ils vont pas aimer. Voilà, je l'avais dit qu'il allait pas aimer. Je l'avais dit. Là, il va me le faire, le freinage. On va voir où il est. Ça va, c'est correct. Vas-y, passe, grand. Ça se bat. Ça se bat et ça pousse. Désolé, mais là c'était matrage. Je te laisse. Ah, pourquoi il est plus rapide que moi? Ah, c'est pas une petite pénalité lui. Ça c'est pas mal pour nous. Je vais craquer. Ouais, je perds du temps, je perds des places. Lui, il m'attaque au mauvais endroit, il va nous foutre dehors tous les deux. Mais putain! Vu le mur, il était à ça. Bon, allez, top 10. Où les pneus? Il a commencé à avoir mal.
Ouais, il commence à être compliqué là. Et après, je passe sur des tendons, donc il faut que je roule encore. Il faut pas que je lâche le monde devant. Ah, je crois que ça va avec ma putain. C'est peut-être mon doigt en fait qui est juste à côté de la gâchette pour être regardé, qui doit poser légèrement dessus, qui fait que hop, faut que je regarde si je peux pas régler là. La course, oh putain. Ah, les pneus là. Ouais, ça doit être ça. Donc c'était de ma faute. Allez, 7ème, mais bien sûr, il y a les arrêts. Je perds beaucoup de temps là. Ouais, les softs ils tiendront pas hein. Si je rentre maintenant. Allez, passe là. Faut que je fasse quoi? Encore un tour? Top 10 s'éloigne là, je crois. Ah, je vais rentrer là. Pour attaquer sur 5 tours qui restent. Peut-être un peu tôt, mais bon. Alors, des tendres.
Et on va remettre du carburant sur eux. Je sais pas du tout. Hop, allez. Peut-être mis un peu trop de carburant. Putain, je suis sorti dans le bordel. Ah ouais, mais pousse-moi pas, hein. Je t'ai vu. Hein. Content, t'es devant. Allez, va me faire chier maintenant. Allez, lâche-moi, grand, lâche-moi. Vas-y, passe parce que. Lui, il me saoule, si tu peux me dégommer. C'était pas forcément ce que je voulais, mais bon. Donne tout. Je sais pas s'il y en a qui vont encore rentrer. Mais dans le tout, on verra bien. Ah, j'ai déjà poussé, hein. T'as mis les médiums, toi. Ouais, bah, j'ai bloqué, mais il fallait de toute façon. Il fallait que je passe. On verra comment se termine la course, mais. Vas-y, hein. Profite au maximum. Bah, un petit peu freinage tardif, ça, non? J'ai été réglo avec toi et. Voilà, en plus, tu te vautres. Allez, est-ce que ma stratégie sera payante? 7ème pour l'instant. Ah, le top 5 est juste là-bas.
Allez, passe-le bien celui-là. Oui, il a passé comme une merde. Choisis ta place, grand, choisis ta place. Non, je suis pas sorti mieux, donc je l'aurai pas là. Allez, encore 3 tours pour lui mettre la pression. Les pneus, ça tient. On y va. Je vais mieux sortir que lui. Non, je l'ai mal pris. À moins que... Ah, tu défends, mais... T'es à l'agonie, grand. Ah oui, t'es à l'agonie. Bien sûr que t'es à l'agonie. Allez, top 5 juste devant. C'est jouable. Allez Seb, allez, 2 tours. J'ai l'impression que je me rapproche, donc Donc il y a moyen de se faire l'italien, allez. Quitte à retarder les freinages. Je vais pas tout tenter, mais... Je vais essayer quand même d'aller le prendre. Hein. Tu sens qu'il est pas... Il est pas au mieux. Tu sens. Alors maintenant reste à voir au niveau de sa défense ce que ça va donner. On va voir. Est-ce qu'il va faire des erreurs? Est-ce que je vais être plus rapide que lui? Est-ce qu'il va jouer le jeu? J'ai dû m'écarter parce que son putain de freinage là. Après, je devrais m'en douter, hein. Je sais qu'il est
Il doit être pas bon au niveau de ses pneus, donc forcément. Allez. Ouais, je le sens mieux que lui. C'est le cas. Ouais, mais là, grand. Freine pas non plus, hein. Je peux rien faire sinon. Putain, il fallait que je sois à fond. Ah, c'est fini. Je vais rester là. Oui. Allez. Mais oui. Putain, c'est comme si j'avais gagné. De course, quoi. C'est pour ça qu'on aime les jeux de bagnole, les jeux de caisse. Sim Racing, Arcade, Sim Arcade, on a rien à péter. C'est pour ça que je roule, pour ça que je joue. Peu importe la plateforme, peu importe la manette, le volant, rien à carrer. Ouh, cette course. J'ai adoré. Si je suis pas déclassé, si rien d'autre, je suis 5ème. En démarrant 19ème. Comme quoi, je vous le dis, les gars, tout le temps, je vous le dis. Il y a toujours moyen, toujours moyen. Voilà. J'ai démarré avant-dernier. Oh, le gars, il se la pète un peu. Mais putain, regarde-toi. 5ème. Voilà. 5ème. Le gars, il a remonté 14 places, quoi. Voilà. Putain, je suis encore sur le coup de l'émotion. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, on like, on partage, on s'abonne, on met la cloche, hein, vous savez, tout le tintouin comme d'habitude. Et moi, je vous dis à une prochaine. Salut!